J'ai cessé d'être camériste il y a 2 ou 3 semaines. Je ne suis plus camériste. D'accord. Moi, maintenant, je suis devenu héritier spirituel de Vital Kamerhe Wakanyinyi King. Il faut citer, prononcer ce nom-là dans son entièreté. Quand ça passe, il y a Ndumba, il y a Ndoki, il y a Nganga, il y a Miyibi, il y a Beskro. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur Aerotech TV. Voilà, donc autour de cette table, j'ai le Bishop Tsatumba que vous avez l'habitude de voir sur notre chaîne. Et à ma gauche, j'ai Diamant Noir. Voilà. Bishop, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, franchement, un grand plaisir. Un grand plaisir aussi, Diamant Noir, de vous joindre à moi pour pouvoir commenter le point de l'actualité politique en RD Congo. Voilà, aujourd'hui, comme vous êtes sans savoir, qu'on parle du dialogue. Donc, lelo to kutani mpwa lelo pona wosola pona o itali dialogue. Dialogue, batavo, to kominasuka dialogue. Accord, de trouver accord. Alors, c'est l'accord qu'il fallait pour que le peuple congolais azala content par rapport à ses revendications, ou alors il y a encore du travail à faire derrière. Vital Kamerhe pour l'opposition, Marie-Madeleine Kalala pour la société civile et Néhémie Mouilania pour le pouvoir en place. Tous ont signé un à un sous les objectifs un accord politique après 6 semaines de tractation. Monsieur Kabila s'est arrangé avec ses amis, comme Vital Kamerhe, de se séparer à un moment donné pour le récupérer. Après, il l'a récupéré. Et Monsieur Kabila doit partir le 19 décembre 2016, au plus tard à 23h59. Non, il y a toujours un travail à faire, parce qu'il y a une continuité d'idées, dialogue est trouvé, parce que c'était... une suite logique qui pouvait sanctionner une rencontre politique. Il y a toujours une suite logique, ça s'appelle les résolutions. Les résolutions se sont faites et retrouvées d'une manière consensuelle, parce qu'il fallait tokomana etapouana au tokoti lelo. Tokoti lelo va trouver compromis politique contre une politique qui n'est pas une unanimité, voilà, contre une politique qui n'est pas une parole de l'évangile. Ce sont des arrangements humains selon les recommandations et les demandes, les exigences de chaque composante et les réels besoins. Il y a attente, il y a peuple congolais qui bas politiciens, bas surtout autour d'une table avec le concours de la communauté internationale selon 2077. Il y a conseil de sécurité que bas bongisa élection au gouvernement. Il y a matata mpoyo na papi, c'est-à-dire un gouvernement confié à l'opposition dans le but d'organiser impérativement les élections selon les calendriers. L'accord prévoit aussi un gouvernement avec à sa tête un premier ministre issu de l'opposition. Vital Kamerhe est bien entendu pressenti pour occuper le poste. Les calendriers pour lesquels les gens sont morts. Kabila ne voulait jamais, ne voulait même pas entendre parler d'un calendrier pour une quelconque rencontre d'élection, a envie de les préparer. Aujourd'hui, les gens, une frange d'opposition qui est allée dans ces dialogues, on obtenu un calendrier aujourd'hui clair pour que toutes les personnes qui aspirent à devenir chef de l'État, à devenir des députés provinciaux, députés nationaux, baba na ko se préparer na mokoyo na mona ki ba tebele ba candidat bazali kozela élection présidentielle. C'est maintenant le temps où les gens doivent maintenant se préparer que les en novembre ou octobre 2017, il faut que les gens commencent à déposer leur candidature. Donc jusqu'à fin avril 2017. Fin avril 2018, les élections présidentielles. Voilà. Et donc, Bandeko Balandinaganti, Bolandi, un petit peu, Oyo et Outikoleka, mais si vous avez une place, il y a rassemblement, il y a dialogue, puisque autour de la table, il y avait ni Katumbi, il y avait ni
Bon, tu sais qui dit, qui pilote le rassemblement aujourd'hui. Est-ce que Bako Rwana et Rosala et satisfaire opposition mobile? Non, les accords, ce sont des accords. C'est-à-dire que c'était pour parler des isons. Vu que Bato Bazana, Bazaki, c'était pas l'opposition de Mtoati, ils ont marqué des portes de leur propre chef. Non, non. Il y a, dans le Congo aujourd'hui, les Congolais doivent savoir qu'il y a deux oppositions. Il y a une opposition modérée qui est piloté par Vital Kamerhe, et cette opposition fait partie du dialogue inclusif national. Il y a une deuxième opposition, c'est une opposition radicale extrême. Oye zoaka pouvoir té, oye tika naka kozo pouvoir té, oye pe kozo ka pouvoir té. Wani fo ba kongole ba ye ba ke, opposition extrême, oye zo kenen logique et tienne Tshisekedi, avec Moïse Katumbi, le kona bébé, ba mimi na Kongo, puisque la taka kouche jusqu'à 18 ans, bango ba kote kana kozo ka pouvoir na Kongo té. Bango, bazali ba opposant, kosa la spectacle populaire, populisme, mais pour na kozo pouvoir, tu sais qui dit ça dribbler, a comme permet na kotia bi na kana ye a tourner a ki kotia bi na kana bango. C'est-à-dire bango ça n'a pas sa kozo pouvoir té. Bango ba se dit une opposition extrême, ba sa kozo pouvoir té. Alors na kati ya ya opposition wana, on dit mi vraiment que au batikala il banda bazo risquer te ba bundisa au bakende ki puisque ba yokana ki malam té la politique bitumbe kotika na kozanga te muto ya kokanisa ke la politique c'est un chèque en blanc ba kopesa na Vital Kamerhe to ba kopesa na Etienne Tshisekedi to ba kopesa na Moïse Katumbi to ba kopesa na Kabila. Jamais politique c'est lelo au komi na pouvoir ba oyo basi pouvoir te ba kobamba opposant et ko tambula ka bongo soki lelo ba to basa dialogue oyo basa na kata dialogue opposition na isu pouvoir lelo ye ba ke ba oyo ça n'a qu'à être institution en attendant qu'on va nous bondir ça bango alors il faut saluer comme quoi si caté que donc d'où nani va quoi affaiblir non opposition. Toute opposition qui affaiblit les pouvoirs, c'est une opposition faite non dans l'esprit de constitution. Toute opposition a été une opposition de proposition. L'opposition c'est encadrer le gouvernement et proposer des choses au gouvernement. Alors, ce que vous avez une opposition en Boka, et c'est que vous avez un pouvoir. C'est-à-dire que c'est une opposition faite dans la haine, dans mon thème, dans ma vie, le col de Bango, parce que vous avez un pouvoir. Vous avez un pouvoir. Mais ce que vous avez, une opposition de proposition, une opposition d'intérêt national. Congo est souffrir trop. Basi va violer Bango. Bana va koufi. Batu va koufi tous les jours ici des morts. Nous déplorons 10 millions de Congolais tués. Tout ça, ce qui montre ça opposant, qu'il propose des choses au gouvernement, que le gouvernement te propose une élo koyo pour améliorer les conditions de tous les peuples en général. Et donc, l'élo, préalable, tant que Kabila a rempli préalable ou présenté était plutôt en dialogue donc préalable tout donc ils ont répondu positivement non préalable dans toutes les négociations du monde préalable nous et si la caté et ça dit voyez c'est ce qu'on appelle concession. C'est à dire voyez certains ont gagné parce que par exemple parce qu'il y a là-bas où il y a là-bas. C'est ce qu'on ne fait pas faire comprendre au peuple congolais. Préalable, c'est dit, bango, bien, bango, bien, bango, bien, bango, bien, bango, bien, bango, bien, bango, libération il y a pas prisonnier politique. Libération il y a prison politique. Libération il y a pas médias. Non, c'est ça ce qu'on dit. Ce sont des concessions, peut-être qu'on n'a pas gagné à l'immédiat. Peut-être nous allons les gagner en restant dans l'appareil de l'État. C'est ça pour laquelle. Les lots priorités et ils allaient quitter parce que bah tu vas pas confondre préalable wana ils allaient un article constitutionnel était préalable à combien ça va prisonnier préalable à colongos au confondre bah médias politiques ils allaient qui masolo ils allaient qui la loi d'une constitution était c'est à dire ceux qui te sont les lots l'obit au consoango c'est à dire tu crois que 80 millions y a congolais était que pour préalable wana Moïse Katumbi y a kaka na Congo le gros Moïse Katumbi a été bah congolais nous 80 millions bah koufa. Les guerres d'individus, les hommes providentiels, il y a un des hommes au Congo, Congo total, peuple congolais en général, préalable, Moïse Katumbi a reçu un congolais, a reçu un ambo quand il est monté au Sate, bateau basé en prison, babobi mututé, babobi maga na prison, bateau bas médias ou quand la mise à fin du monde était parce qu'il y a d'autres médias ne confondent pas qu'à Tarobi, priorité c'est là qu'il a mini toyo, tout sauver
constitution d'Abisso, va réviser Yangote, tout sauver, tout obtenir, il y a majorité d'obtenir calendrier électoral, tout obtenir date d'élection, tout obtenir que Kabila a le troisième mandat, tout obtenir que Kabila a représenté, tout obtenir que toutes les décisions qui seront prises pendant la période de transition, mais seulement, et seulement consensuelle. Après le 20, à côté de la période, il y a glissement. Vitel Kamere, à qui n'a dialogue qu'après la poste ministre. Non, Vitel Kamere a qui n'a pas la poste T. Mais dans toute négociation, il y a toujours, on aboutit toujours à des résolutions et des recommandations. Alors, pourquoi le gouvernement est mis dans dialogue? Le gouvernement est mis, puisque le gouvernement où il y a ma tête en pognon, et c'est qu'il a mission, il y a organisé élection, selon les délais constitutionnels. Et organiser et vendre et les foufous et les mbongo et vendre organiser que tu comme un empire tu comme un royaume. Alors constituer le bique chef de l'État n'a pas besoin Azali n'a prérogative il y a qu'au changer gouvernement ce gouvernement et organiser élection t il y a un état qui est en dialogue dialogue ou un objectif n'ango le 22-77 c'est que pour organiser des élections il y a un débat mis gouvernement qu'on a pour gouvernement on a et organiser élection. Alors le collègue Vital Kamere Azali comme modérateur. Mais dans les résolutions. L'homme dangereux. L'homme dangereux. Ah, voilà. Oui, parce qu'on est dangereux pour Nayango. Le coup de Vitel Kamere, dans les résolutions. Bah, c'est comme on a été, mais bah, que l'opposition, gouvernement et la transition reviendra à l'opposition. Bah, le bité qui reviendra à Vitel Kamere. Vitel Kamere, à la première ministre. À la première ministre, on s'en fout. Nous savons que Vitel Kamere a un projet de société. Il pourra toujours revenir chef de l'État pour diriger les pays. Mais ce qui, le Kola Bakena dialogue, va trouver que le Kola Siki comme modérateur, qu'il est capable de gérer le gouvernement pour organiser des élections crédibles. Bienvenue. Nous allons avoir les pouvoirs pour organiser des élections crédibles. Alors, que Niki Kounete pour être soi, pour total intérêt. Il y a un peuple congolais, tu obtenir calendrier électoral, tu obtenir date d'élection, tu obtenir que M. Kabila a causé un troisième mandat, tu obtenir Kabila a causé représenté, tu obtenir que la constitution a causé la touche, tu obtenir que causé le référendum pendant la période de transitoire. Le référendum se passe pendant cette période-là, de toute façon, au marché. Non, on va répondre positivement. Non, le marché était parce qu'ils ont même prévu, parce que nous avons organisé le référendum à Zanani. Parce que toutes les décisions pendant cette période ici. Le référendum pour tout Nanini. Alors, c'est ça. Ah, mais non, parce que non, nous sommes en Afrique. En Afrique, on peut tout chambouler à tout moment. Il y a une clause écrite déjà dans les résolutions que le référendum est commencé à démater. Et puis, pendant la période où il y a transition. Toutes les décisions au niveau de l'État doivent être prises consensuellement. Naganti, nakati ya dialogue, au niveau de Wazaki, autour de la table de discussion, le plus heureux, le lot, c'est Vital Kamere. Pourquoi je le dis, c'est simplement, puisque à obtenir, au Yazao Luka, poste à Premier ministre, aux Premier ministre, donc à quoi arrêter 3 mois avant fin ya. Il y a transition de manière à ce que à se représenter, à poser candidature dans la présidentielle. De deux, à obtenir Ken Goz dans le sens où il fallait qu'il a protégé Kabila Azala inquiété pendant toute cette période. Et bien, donc Kabila Azala inquiété puisqu'il Azala sous la protection, il y a Vital Kamere. Vital Kamere, au jour d'aujourd'hui, a écarté. Moïse Katumbi a écarté Rassemblement, qui dit Rassemblement, dit Étienne Tshisekedi, et c'est lui le maître du terrain, il règne en maître Nakata ya Congo Lelo. Est-ce mais que le Kola, c'était réellement... Le Kola est celui qui est en train de bah applaudissement, bah qualité nous sommes sur la caméra, ce que ça gagne, bah les problèmes ça caméra. Non, n'a pas la qualité. Non, ce que le col a eu au lobby, ma camomille ne voulait écarter, il n'a pas écarté. Bah toi na, bah confine du wana bango moko. Les lots na Congo, nous avons des oppositions, nous avons une opposition radicale. Oh, ils étaient quoi incarné, étaient les secteurs bango besoin de pouvoir t, bango t'as pas besoin de pouvoir t, bah t'as pas besoin de pouvoir t. Moïse Katumbi, Moïse Katumbi, il est frappé par la justice congolaise. Il a un problème de 3 années déjà condamné. Ils ont la Vital Kamere. Vital Kamere. Donc les lois sur Vital Kamere, Aza Nani, Premier ministre, à quoi l'ongola nini mesure en été. À quoi l'ongola mesure t'es comme si Vital Kamere. Non, c'est la justice. Nous voulons qu'un gouvernement responsable pose justice et ça la moussala. Ce qui est justice, oh, ils ont dit qu'on s'occupait de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a eu quoi affronter justice ou un avocat. Non!
On va voir si la justice qui fera son travail. Et ça, pour ma Vital Kamerhe, c'est que Vital Kamerhe a dit que nous avons comme premier ministre justice beaucoup ça que Moïse quand nous sommes en Mboka, ce n'est pas ça le travail. De toute façon, ça ne sera jamais sa démarche puisque Azamoko ya Oya Ninga zo place na. Vital Kamerhe a dit bon comment un changement ce qu'il est là. Toko bana ko bana bon langage que premier ministre mais ce qui a commis premier ministre. Puisque Zali objectif à Vital Kamerhe était. Objectif Vital Kamerhe Zali à comment à diriger Congo. Non, il fallait qu'il en a zonga sur le projecteur. Après, il était toujours sur le projecteur parce qu'il était toujours un politicien congolais, l'opposant le plus populaire parmi d'autres opposants. Mais lui, quand même, il est l'unique opposant où il y a un parlement avec 18 députés, avec un groupe parlementaire organisé dans le parlement. Bah, politicien sur le Congo à mon côté, un groupe parlementaire. Nakata parlement, mais l'unique qui a un groupe parlementaire au parlement, c'est Vital Kamerhe. C'est-à-dire que ce n'est pas un poids qu'il faut négliger, qu'il faut prendre à la légère. Alors, mais tous allez à Walelo pour nous dire même le congolais que résolution au et à dialogue et Zouami. Et Zouami, nous attendons quoi de ça? Ceci la monsieur Zaki qui est. Comme ceci à peuple congolais, que Kabila a respecté la constitution. Notre constitution est respectée, bako changer en côté, bako toucher en côté. Et c'est dit, wana, et c'est dit que le Kabila a consacré à deux mandats, il nous faut renouveler, il nous faut mandat, et ça a respecté. Kabila a consacré un glissement, puisque le glissement est le même, Kabila a commis les 19 et les 20, bah, c'est l'élection, Kabila a continué à consacrer à président. Non, Kabila, après les 19 et les 20, en président, n'est comme si le président a un mandat. A commis président qui attend qu'un président soit élu pour à sa remise et reprise. Mais pendant ce temps-là, il va s'occuper de quoi? Toutes les décisions qu'il va prendre, ce sont des décisions consensuelles avec l'opposition, issue du dialogue, avec la société civile. Et puis, c'est non, non, c'est écrit noir sur blanc. Premier ministre, vous n'allez jamais armée, armée, vous n'allez pas beaucoup à Kabila. Économie, ma banque, Ndengkaba, Messana, Akei, on a signé à Zimbong, on a signé à Zimbong. Là, il faut pas tout na premier ministre. On dit mieux vous marquez na Congo. On a lancé sur le bilan, on a marqué mon appui. Non, non, de toutes les façons, au moins dans contexte les lots, ils ont dit que pouvoir y a Kabila. Gouvernement n'est au courant parce qu'il est incapable de faire quelque chose de bon. Il y a un débat qui a recours à un gouvernement de coalition. Mais gouvernement au courant a quelque chose de bon avec quel argent? Non, à cause de l'argent, c'est l'argent qui posait problème. L'argent est à Congo et c'est là que toujours nos partenaires ont toujours financé les élections. Gouvernement et objectif principal. Pas minerai tout le côté qu'il a pas. Non, non. Objectif principal et gouvernement Oyo, c'est d'abord organiser les élections. Le reste, on va faire, mais priorité. Alors, c'est-à-dire que, puisque c'est là, calendrier, le coup de Bimi, ils allaient respecter, bah, injecter Mbongo, ou ils organisaient élections dans le Congo, pour être tout comme, tout soit, les élections crédibles, transparentes, autant voulu, bien fixées, pour être et organiser le Congo, et comme le coup de Mbokanyon sur Yamokili. Il y a un objectif principal, il y a Vital Kamerhe, où il y a côté là qui n'a dialogue, il y a Vende 77, où ils allaient émanation, il y a Conseil de sécurité des Nations Unies. Diamanoir. Oui, les 19, les 20. Les Congolais vont couper belé na Congo. Pays en occupation. Congolais moko kufi na babomi professeur moro na Inde, mutarubi azate. Babomi fille moko ba kati même mikem ki congolaise babomi na Inde, mutarubi azate. Na Angola ba bingani ba congolais, ndenge moko na Brazza ba bomi ba congolais. Donc Congolais na moko lelo azana valeur mon côté na monde entier parce que pays en occupation. Premier ministre, Matata Ponyo Alubi, et l'autre côté, ni président de la République, ni tout le monde en France qui est Koufi, le binaton président qui est Bissona Congo. Moutouta Lubaka, parce que tout ça, il y a l'autre côté, il y a le binin. Non, de toute façon, Mbokara Bisso, c'est qu'il y a un autre chose pour déplorer que tout soit un état de droit. Ce n'est pas un état. État, exact, c'est un pays de missionnaires. Congolais n'a pas de valeur. Congolais est abandonné à son propre sort. Alors, bah Congolais, bah Koufi, bah oui, bah Koufi Musika, bah Koufi Moko Moko. Mais bon, ce qu'on fait dans le cadre à Congo, il y a 10 millions de morts. Alors que personne n'en parle. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas un gouvernement responsable. Il y a un monde, tout qui n'est qu'un dialogue, voilà. Pour être dialogue, il y a une possibilité. Il y a tout comme un état de droit. Il y a un état de droit, ça qui appelle que dialogue est inclusif. Bah tout ce qui est un dialogue, tout est dit comme un mot pour Congolais à se retrouver. Tout côté comme un mot qui est pour Moutou Moko, pour Abatumi Balé.
Congo ils allaient comme un Mboka Nyonso, ils allaient comme un Congolais Nyonso. Ils apprennent à la poste, c'était mais pour la Congolais va se retrouver. Va se retrouver les Congolais va se retrouver pour la poste. Vite la caméra, ils sont quand ils ont posé, ils ont posé depuis longtemps. Azu va poste, ils sont montés au, Azu va poste, le gros dans la Congo, le gros vite la caméra, zate. Alors c'est à dire que c'est objectif les gens, on a été objectif, c'est que tout comme on a un état de droit où il faut qu'on la valeur à Congolais dans le monde. Alors l'après le vin. Il y a eu que premier ministre a issu de l'opposition, programme et vous allez nini. Ou alors qu'est-ce que yo en tant que camériste au conseil en abattu yo barozoa direction du pays à partir. Vous savez, d'abord je venais te dire quelque chose. J'ai cessé d'être camériste il y a 2 ou 3 semaines. Je ne suis plus camériste. D'accord. Moi maintenant je suis devenu héritier spirituel de Vital Kamerhe Wakanyinyinyi King. Il faut citer, prononcer ce nom-là dans son entièreté. On a travaillé en tant que Kamerhe pendant 3 ans. J'ai trouvé que c'était suffisant. 3 années, Kamerhe Wakumi, Wakumi Ebele, Kumi dans le monde, Moutios Kumi Kamerhiste. J'ai fait mon travail, je suis content. Ce n'est pas mauvais. Ah, voilà. Ah. Maintenant, j'ai monté de position. Je deviens maintenant héritier spirituel. C'est-à-dire que c'est comme un autre Kamerhe. Lorsque Kamerhe parle, il finit de parler. Lorsque Tchato me parle, c'est comme Kamerhe. C'est-à-dire que je suis maintenant un Kamerhe, un héritier spirituel de Vital Kamerhe. Alors, dans le contexte actuel, après le 19, après le 20 décembre, Oyo, Mboka et Kozala, dirigé par un gouvernement issu, il y a dialogue. Et puis ce gouvernement-là, c'est un gouvernement de coalition, c'est-à-dire opposition, pouvoir, société civile. Basangani, Basako dirigeait Mboka avec un seul programme principal, élection, en 2018. On dit que vous avez dit que vous avez dit que vous Dingue parce que ceux qui ont la carrière ont été dialogue ont été et comme ils ont soukaté, ils ont abouti à quelque chose. C'était l'inga qui est na queue de poisson. Ceux qui ont commis la souka, bah résolution et salami dans l'objectif, il y a aucun des qu'au sal à élection en 2018. N'avait à pour garantir ceux que bah résolution et outil na dialogue national et qu'au sal vraiment respecté. Et qu'au sal respecté pourquoi? Parce que les lois gouvernement ils allaient ici. Na dialogue wana ezali gouvernement de l'opposition. Bato baso ne pas confondre les concertations nationales na dialogue. Dialogue ezali émanation ya conseil de sécurité. C'est-à-dire il y a pendant période de la transition, il y a une commission. Oui, salami avec les certains représentants de la communauté internationale, certains experts congolais et certains témoins. Bako conduire comme ba conseil gouvernement pour contrôler le gouvernement s'il est en train d'appliquer les résolutions. Voilà. Est-ce que vous comprenez davantage hein? C'est-à-dire c'est que. Ce qui ne sera pas. Ce qui ne sera pas. Mère, mais ça fait pour le gouvernement. Attends, vous l'avez dit. Ou bien Kabila, à la mouquée d'Atongo, à celle d'une ordonnance. Et que ça m'a soutenu. Puisqu'il y a des experts qui sont là comme des contrôleurs des applications, il y a. Résolution ici du dialogue, 2077. Pourquoi? Parce que notre pays est sous tutelle. Il y a communauté internationale. Et communauté internationale, et puis c'est raison 2077. Et puis, communauté internationale doit veiller afin que ces résolutions doivent être appliquées. Mais concertation, c'est qui Kabila a nommé premier ministre Naye, a dit mais dialogue, qu'est-ce que c'est? C'est dit, et menaçant, il y a 2077. Il y a conseil de sécurité. Et donc, l'élo, c'est-à-dire que ceux qui primature et commis par l'opposition, Kabila n'a même pas le droit de proposer un ministre au Yaling. Non, non. Kabila a la majorité. Il y a un ministre, la société civile a la majorité, a un ministre, on a l'opposition. Il a formé le gouvernement et boupia. Et qu'on s'arrête que pendant leur exercice, Kabila a nommé Moutoupé, a nommé la Moutou. Non, non. Il s'est dit. Puisqu'il y a tout un comité. Mais ça peut arriver si Moutoua s'est méconduire. Non, Moutoua s'est commandé, c'est-à-dire qu'il a trahi à la charte de bonne conduite, il doit se faire sanctionner. Alors, voilà, c'est autre cas. Mais quand il y a... c'est pour que tu as fait ta mission. Ce n'est pas un gouvernement pour voler, c'est un gouvernement pour organiser les élections. Diamana. Tu continues toujours dans les 19, les 20, les marches pour Namboka parce que Congo,
Ils ont Congo démocratique. Donc, Pepe a un droit, il y a un vote, il y a dirigeant, il y a un dirigeant, il y a un bango. Mais biso ba Congolais, ça marche. Tout le monde va bêtir ma sas. Ba policier va bimi, va bêtir ma sas. Général Kanyama, dans la ville de Kinshasa, va bêtir ma sas, va bêtir ma bomi, va bêtir ma sas, va bêtir ma Yo siko ulobini pour la journée wana ndenge leki ke batuna Congo bana droite ba sala même marche nani apesa ki bango droit wana autorisation ya ko boma batu ndenge wana mutu avec autorisation. Alors ngai na ko ba autorisation ke pesa ki boma mutu. Alors ko boma mutu ezali prohibé même na loi ya Nzambe pe na loi ya Mokili. Même na loi ya droit de l'homme ko boma mutu. Alors tozoti ka nga na ko senga justice ezala musala. Ezala musala po ba ye ba ki a fait quoi? Et à qui et par quel moment. Plutôt que de parler d'emblée, comme tous ceux combattants auparavant, on parlait sans réfléchir certaines choses. Le Luna comme un homme politique, je pèse tous mes mots. Nous laissons étape à tout ce qui nous arrive à la justice de faire son travail. Même si justice on est accepté par tous. Mais est-il que quand même justice a fait un travail, a fait des délibérations pour nous éclairer, parce que nous sommes enquêteurs, il y a justice, mais nous constatons que des choses ont débordé, les gens sont morts. Alors là où il y a des morts, il n'y a pas de vainqueurs ni de vaincus. Il y a des responsabilités à relever. Qui a fait quoi et pourquoi on a tué les gens. Alors voilà là où je vais parler. Ces choses-là. Et donc, on les signe sur la boucle à justice à Samoussala, oui. Mais où il est qui, en décembre, l'année dernière, jusque-là, tout ça toujours n'a rapporté. Ah, mais on nous dit qu'il y a seconde au Salama. Ah, c'est-à-dire que, souka, quand un état de droit sera installé, cas par cas, tout le monde sera jugé. Cas par cas. Mais maintenant, d'emblée, on ne peut pas parler comme si on parlait dans une forêt pour dire qu'on connaît les gens. Parce qu'on ne sait pas qui a fait quoi. On attend un acteur de droit. Alors, on déco Nancy, Tokumo Kende, Kalamite na Sukamasolo. Martin Fayulu Azaliawa na Paris. Tolanda qui est sur la marche ou les qui le 19 na le 20. Azaki touché par une balle en caoutchouc. Donc à Vimbaki, et puis bon, bah, ça allait examiner sur place. Et puis Azouaki autorisation en tant qu'honorable, Azouaki autorisation à Mamboka pour à continuer à bah, examiner Awa. Démarche Nini en tant que moi, Mamboka, c'est quand même l'un des pionniers à la politique congolaise. Démarche Nini au Sali pour vraiment beaucoup Tana et puis bon. Non, Fayulu, c'est mon frère, Fayulu, c'est un Congolais, c'est un politicien, tout ce qui lui est arrivé, personne ne veut pas accepter que quelqu'un, à cause de ses opinions politiques, a subi ce qu'il a subi, c'est inhumain. Et puis, en tant que pasteur, Fayulu, c'est un chrétien, un enfant de Dieu, j'ai compati à tout ce qui lui est arrivé. Si j'ai une possibilité que Bato Bazana Fayulu, Koyeba Komonaye, je le verrai, je vais lui apporter mon soutien, mon secours, c'est un frère congolais, j'ai compati à ce qui lui est arrivé. Koufi Olomide. Aza tout le temps, osa tout le temps na ba Koufi. Koufi Olomide le ma bé pour na ba tout bazan a poto, il fallait bazo diriger mboka na musika fait ba diriger mboka sur place. Mais yo osa tout le temps mi, osa pasteur étant pasteur bishop, osa tout le temps na ba toi na ba Koufi Olomide, ba musicien tout osa na bango tout le temps ensemble. Non, je me suis toujours dit que ngai na cette première malfaiteur mutu mabe ya kusaka na tena lupango na biso na koli na munaka mukolo moko teni sango kokota ni papa na nga ko kende mes. Mais Jésus-Christ aye ko ponanga na kata famia ni wala akumishinga musali na ye papa na ngai papa na ngai zaki mutu moko azaki na service ya sécurité ba to baransima ba lumumba basi na makambo ibili na bango basala kana batangu na bango na munaka teni na ba famia ni wala nzamba iko ponanga. Alors je suis celui qui est attaché à des valeurs de dire que Yesu aina ki batu bala muta aina ki batu mabe. Alors batuana Jésus n'aime pas les péchés mais il aime les pécheurs. Bakufi ba sa pécheurs, je prie pour eux. Parce que j'ai vu que Jésus-Christ à la croix, tout ce qu'il nous a offert pendant qu'il était mis à la croix, il était venu pour nous sauver. Il a prié pour les gens, dit que Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je considère que Bakofi, de toute façon, quand moi, Kofi, Azananga, Azanakis, Moutoakamoui, est-ce que Moutoakamoui, comme on dit, moi, maintenant, je vais vous dire que je vais vous dire que je vais pour leur succès. Alors, bisous, tout cela, c'est pour prier pour eux. Je n'ai pas une autre force supplémentaire, qu'est-ce que je peux faire, parce que ce n'est pas moi qui convertit les gens.
Mais je sais que ma prière peut faire quelque chose de bien, d'abattoir, parce que je suis de ceux qui croient à tête carré minute. Confiant que vous m'en avez. Dernièrement, vous avez hérité, mais au moins que vous avez hérité, vous avez hérité. Non, hérité, Watanabe, c'est mon neveu. C'est l'enfant de ma grande sœur, de ma sœur à moi. Alors, attaque on a ma famille, bato ma boubou bazalaka. Na kubo imuturanga di bomate. Mais je sais que bazabatu pour lesquels je prie pour eux. Je suis pasteur, y'a ba malfaiteur. Nana sa pasteur, y'a ba ndumba, y'a ba ndoki, y'a ba nganga. Y'a ba miyibi, y'a ba escro. Na utala nga ija, nanga ya ki pasteur, na sa wala. Puisque nga moko na sa ki parmi batoua, na nzamba yiko ponanga. Et je suis sûr et convaincu, au nom de Jésus Christ, la main de Dieu fera un miracle. Donc, vous attendez poisson moko avant que comme à la fin de cette année ou bien début de l'année prochaine. Poisson moko à mon aîné. Attends la Jésus et ça c'est pour sa gloire. En tout cas, Diamant Noir n'a évité Sosa la dernière question. Mais sinon, tu es. Puisque tu osais la bande de Kobalandi, tu osais la vraiment totale réalité, réalité sur le terrain. Tant que vraiment opposition aux au pouvoir, dans le niveau, il y a plus mature. Ndeni mambongo et koleka. Na ganti mingi boza dessu na moya lelo na oyo uti koleka, c'est-à-dire que ba préalable ezali réunis tes a respecté tes a résolu et du coup donc il y a signature demain puisque aujourd'hui on est dimanche 16 octobre 2016 mais lobby lundi signature il y a accord où ils a trouvé na kati ya ya dialogue. Alors to ébité est-ce que ba manifestation où ils a prévu na rassemblement et ça aura toujours lieu. Est-ce que bah mouvement tout pour prévoir le 19 na le 20 est-ce que ça la maraca puisqu'il y aura un premier ministre ici de l'opposition est-ce que à vous de voir et puis soyons totikali tous accroché dans les médias tous accroché na information de manière à ce que toi va vraiment vérité tant que tu as vérité tozong et la binoli susu comme quoi lelo na bishop tatumba ce qui vraiment aux ana lelo basuka te na ganti toko suka wana. Merci beaucoup Diamant Noir ezali la toute première et puis ezali la dernière fois te donc les portes vous sont ouvertement ouvertes grandement ouvertes je voulais dire de manière à ce que to mekako yebisa solo na bana mboka o balanda biso mibale eleki moko na ranci toko salam salam alam. Merci beaucoup de la présence et puis bon retour. Merci Bishop Tshatumba. Merci beaucoup. Merci. Ouais.